Samedi dernier, à l'Assemblée Générale Virtuelle de l'UFDG, Nadia Naman, chef de cabinet du président de l'UFDG, a fait une analyse du contenu d'un rapport rédigé, selon elle, par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Nadia Naman, qui a parcouru le rapport pour éclairer la lanterne de l'opinion publique, indique que le pouvoir en place estime que l'intention de Sémoud Alain Diallo du scrutin présidentiel du 18 octobre était de se réfugier dans une ambassade juste après le scrutin et lancer des mercenaires armés de PMAK et de grenades, assassiner des responsables politiques. Des militaires, des gendarmes et des notabilités connues, notamment le Kunti Gilaj Sekounasouma. Tout ceci devrait se faire avec la complicité de certaines personnes de l'étranger. Elle poursuit en soulignant que les auteurs du rapport mentionnent que grâce à la vigilance des services de sécurité et à la participation de la population, il a été possible de mettre la main sur plusieurs mercenaires et des armes, PMAK, grenades, lance-roquettes, flèches, machettes, et autres armes. Ces mercenaires arrêtés sont aujourd'hui à la disposition de la justice. Rappelant que le président Alpha Condé a à maintes reprises déclaré que plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. La chef de cabinet du président de l'UFDG assure que c'est sans doute cette affirmation qui a inspiré les auteurs du rapport pour inventer ces mensonges à la fois grotesques et ignominieux qui mettent en évidence la légèreté et le cynisme de ceux qui nous dirigent. Elle dit à qui veut l'entendre que le président Sémoud Alain Diallo ne s'est jamais réfugié dans une ambassade et n'a jamais eu l'intention de le faire. Certainement, les auteurs de ce rapport, en attribuant au président de l'UFDG cette intention, se sont rappelés qu'Alpha Condé, en tant qu'opposant, s'était réfugié à l'ambassade du Sénégal en 1991. Elle demande au pouvoir en place où sont ses mercenaires, ses PMAK et ses grenades avant de qualifier ces accusations de grotesques et fallacieuses sorties de l'imagination de la police politique d'Alpha Condé. Comment peut-on imaginer un seul instant que Sémoud Alain Diallo puisse nourrir l'intention d'assassiner le Kunti Guy de la Basse Guinée, Eladj Sekounasouma, avec lequel il entretient au vu et au su de tout le monde une longue et solide relation d'amitié? Quel responsable politique, quel militaire, quel gendarme Sémoud Alain Diallo aurait-il l'intention d'assassiner et à quelle fin, s'interroge Nadia Naman qui espère que les autorités pourront fournir les preuves de l'existence d'un lien entre Sémoud Alain Diallo, les mercenaires et les armes qu'ils prétendent détenir. Baptisant, chers compatriotes, je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de cette 9e Assemblée Générale Virtuelle de l'UFDG, dont la vocation est, vous le savez fort bien, de parler de la Guinée, de ses réalités et des perspectives d'avenir que nous entrevoyons pour notre pays. Alors, mon intervention d'aujourd'hui portera sur l'analyse par l'UFDG du rapport du ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le MATD, et du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, intitulé, je cite, « Rapport sur les violences politiques en Guinée 2019-2020 ». Et les enquêtes judiciaires en cours. Dans ce rapport, que dis-je, dans ce ramassis d'inepties, puisque c'est ce dont il est question, ces deux ministères s'emploient à passer par perte et profit la répression sanglante des manifestations pacifiques contre le troisième mandat et tentent de blanchir le gouvernement en rejetant la responsabilité de ces violences politiques sur le FNDC et sur l'UFDG. Ce rapport omet volontairement de mentionner que le FNDC et l'UFDG sont les véritables victimes des violences perpétrées par les forces de défense et de sécurité avant, pendant et après le double scrutin du 22 mars 2020 et au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Curieusement, le rapport ne fait aucunement mention des 99 citoyens tués par les forces de défense et de sécurité pendant les manifestations du FNDC contre le troisième mandat et la volonté de faire disparaître les preuves en enterrant nuitamment dans des fosses communes à Zérékoré une trentaine de nos compatriotes. Tout aussi curieusement,
Le rapport ne fait pas non plus mention des violences déclenchées contre l'UFDG et l'ANAD au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, violences qui ont fait plus de 51 morts, des centaines de blessés et plus de 400 arrestations. Dans ce rapport, et il est important, on parle pourtant d'enquête judiciaire, mais jamais, à aucun moment, il n'est fait mention d'enquête visant à identifier les auteurs et commanditaires des exactions et crimes commis contre les citoyens membres de l'opposition politique et du FNDC. Alors, dans le document, le gouvernement accuse à tour de bras, sans preuve, l'UFDG et le FNDC de fabrication, de détention, de stockage d'armes de guerre et de tentative de déstabilisation, tenez-vous bien, des institutions de la République. Alors, ici, de rappeler à ce stade qu'en raison du caractère grotesque et fallacieux de cette accusation, précisément de fabrication et de détention d'armes de guerre, elle finira par être abandonnée, comme nous le révèle l'ordonnance de renvoi. Alors, le procureur de la République reprend intégralement ses accusations et c'est sur la base de ces accusations qu'il a déclenché des poursuites contre les militants et dirigeants de l'ANAD, du FNDC et de l'UFDG. Alors, une interrogation nous interpelle ici. Cette position du gouvernement qui constitue du reste une intrusion, qui constitue une ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, peut-elle être démentie par les officiers de police judiciaire ou par des juges complètement inféodés à l'exécutif? La réponse est négative, sûrement non. La messe est dite, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à prononcer les peines, à les exécuter, ou encore à demander pardon de manière à ce que le chef puisse se fendre d'un décret présidentiel, d'une grâce présidentielle, pardon. Alors, renvoyant à une technique bien éprouvée du pouvoir, le montage de toutes pièces des complots les plus dignes des heures sombres du communisme, ce document est tissé de contre-vérités, d'approximations et d'interprétations grossièrement orientées. Évidemment, il serait fastidieux et pénible de les déconstruire point par point. Nous mettrons néanmoins un point d'honneur à soumettre certaines d'entre elles à l'épreuve des faits, afin d'en démontrer le caractère absurde, l'inconsistance et aussi la fragilité. Alors j'ai sélectionné, chers compatriotes, chers militants, deux aspects qui à mon sens méritent notre attention et ces deux aspects recouvrent d'autres sous-aspects et s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. Alors le premier aspect dont je souhaiterais vous entretenir concerne la lutte contre le troisième mandat qui a été présenté comme une volonté de l'opposition politique et du FNDC pardon, de remettre en cause l'ordre républicain. Alors, la lutte contre le troisième mandat est présentée, le rapport note, pardon, et je cite, une volonté de remettre en cause l'ordre républicain en attribuant, mais sans aucune preuve, toutes les violences de l'UFDG, toutes les violences politiques, pardon, à l'UFDG et au FNDC, dans le cadre d'un complot imaginaire dont seuls les régimes communistes ont le secret. En réalité, l'on sait tout ce qui a remis en cause l'ordre républicain en organisant par la violence et la fraude le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars, commettant ainsi un parjure et violant la Constitution qu'il a juré de respecter et de faire respecter. L'on sait tous qui a profité du même scrutin pour mettre en place un parlement absolument illégitime et monocolore et que l'on appelle dans les quartiers de Conakry « parlement Covid ». Le 22 mars 2020, la Guinée a connu l'une des élections les plus contestées, les plus militarisées, les moins démocratiques de son histoire. Dans un rapport publié en octobre 2020 parlant des violences à Conakry, Amnesty International note, je cite, 12 personnes ont été tuées, dont 9 par balle pour les seules journées des 21 et 22 mars. Parmi ces victimes, 7 ont été touchées à la poitrine, au dos, à la tête et au cou. Et 2 l'ont été après avoir été heurtées par des véhicules des forces de défense et de sécurité. Les témoignages et les documents recueillis par l'organisation démontrent la responsabilité des forces de défense et de sécurité et des groupes de contre-manifestants associés à ces dernières. L'utilisation de véhicules comme armes et le caractère intentionnel de ces chocs ne peuvent être écartés. Bien entendu, le rapport du gouvernement ne fera pas état de ces crimes impunis. Il s'en prendra même aux ONG, aux gouvernements et chancelleries occidentaux et aux organisations internationales qui les ont dénoncés en accusant ces derniers de manquer d'indépendance et d'objectivité et pire, d'être à la solde de l'opposition politique et du FNDC.
Le second aspect dont je souhaiterais vous entretenir dans ce rapport concerne les accusations farfelues portées contre le président Sélou d'Alain Diallo. Traitant du scrutin présidentiel du 18 octobre, le rapport indique, je cite, « L'intention de Sélou d'Alain Diallo était de se réfugier dans une ambassade après le scrutin et lancer des mercenaires armés de PMAK et de grenades, assassiner des responsables politiques, des militaires, des gendarmes et des notabilités connues, notamment le Kontigi LH Seruna Souma. Tout ceci devrait se faire, tenez-vous bien, avec la complicité de certaines personnes à l'étranger. Grâce à la vigilance des services de sécurité et à la participation de la population, évidemment, il a été possible de mettre la main sur plusieurs mercenaires et des armes, PMAK, grenades, lance-roquettes, flèches, maquettes et autres armes. Ces mercenaires arrêtés sont aujourd'hui à la disposition de la justice. » Une citation d'Alpha Condé pour réagir à ses propos, « Plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. » Alors d'abord, le président Sélou d'Alain Diallo ne s'est jamais réfugié dans une ambassade et cet fils du pays n'a pas besoin de le faire. Il n'a jamais eu l'intention de le faire. Certainement, les auteurs de ce rapport, en attribuant au président Sélou d'Alain Diallo cette intention, se sont peut-être soudainement rappelés que Alpha Condé, en tant qu'opposant, s'était réfugié à l'ambassade du Sénégal en 91. Plus grave, dans le texte, on prête à Sélou d'Alain Diallo le projet de lancer des mercenaires armés de PMAK et de grenades, assassiner des responsables politiques, des militaires, des gendarmes et des notabilités connues, notamment le Kontigi LH Seruna Souma. Mais quelles absurdités, militants et sympathisants! Mais quelle ignominie, chers compatriotes! Comment peut-on imaginer un seul instant que Sélou d'Alain Diallo puisse nourrir l'intention d'assassiner LH Seruna Souma, avec lequel il entretient, au vu et au su de tous les Guinéens, une longue et solide amitié? Comment? Quel responsable politique, quel militaire, quel gendarme Sélou d'Alain Diallo aurait-il eu l'intention d'assassiner et à quelle fin? Mais, comme le rapport indique, grâce à la vigilance des services de sécurité, rappelez-nous, nous sommes sous un régime communiste, et à la participation de la population, il aurait été possible de mettre la main sur les mercenaires, les PMAK, les grenades, les lance-roquettes et d'autres armes qui seraient aujourd'hui à la disposition de la justice. Eh bien, j'ai envie de vous dire ceci, on espère vivement qu'ils pourront fournir les preuves de l'existence d'un lien entre Sélou d'Alain Diallo, les mercenaires et les armes qu'ils prétendent détenir. Ce complot que l'on veut attribuer à tout prix à Sélou d'Alain Diallo n'est qu'un montage grotesque, le président a eu à le rappeler, qui vise à éliminer un adversaire qui s'est montré absolument indomptable, absolument incorruptible, l'UFDG, dont la capacité d'organisation, dont la capacité de mobilisation, dont le poids électoral, dont la résilience trouble le sommeil du locataire de Sékou Touré et des candidats à sa succession. Plus loin, pour poursuivre sur ce dernier aspect, chers militants et sympathisants, dans ce document truffé de contre-vérités, je l'avais annoncé au départ, on lit, je cite, « Alors que toutes ces fédérations, tenez-vous bien, alors que toutes ces fédérations et ses soutiens lui demandent de ne pas se présenter pour ne pas cautionner la nouvelle constitution et la probable victoire d'Alpha Condé, Sélou d'Alain Diallo décide finalement de participer au scrutin du 18 octobre. Il rejoint ainsi les partis politiques qui ont accepté d'aller à l'élection présidentielle. Dès lors, la démarche de l'UFDG est mise à nu. Nous sommes découverts. Participer au processus électoral pour pouvoir le contester de l'intérieur et disposer d'un prétexte pour se proclamer vainqueur et pour justifier une insurrection et ou un coup d'État. » C'est une contre-vérité, mais absolument flagrante, que les fédérations de l'UFDG ont démenti. Ce sont plutôt ces fédérations, elles sont présentes effectivement, comme le disait mon ami Sélou dans le public, ce sont ces fédérations qui, interrogées par la direction nationale, se sont fortement recommandées aux partis de prendre part à cette élection et d'éviter la politique de la chaise vide. En effet, sur les 105 fédérations que compte le parti, 92, soit 88%, s'était même engagé
a contribué fortement au financement de la campagne et a encouragé le parti sur la voie de la participation en tant que parti qui s'inscrit et qui s'est toujours inscrit et qui s'inscrivera dans un cadre légal et républicain. Ces statistiques avaient même été rendues publiques avant même la déclaration de candidature du président Sélou d'Alain Diallo. Alors dans cette élection, que cela soit clair, l'UFDG n'a nullement cherché un prétexte et c'est une lapalissade que de l'affirmer. Tout d'abord, le parti a constitué, avec une quarantaine de partis politiques et d'associations, une solide alliance dénommée l'ANAD. Ensuite, avec les partis alliés, l'UFDG a mené une campagne exemplaire. Souvenez-vous, militants et sympathisants, chers compatriotes, de l'accueil absolument triomphal qui lui avait été réservé. J'ai eu la chance de le vivre à ses côtés. Les Guinéens se sont mobilisés. Le candidat de l'ANAD a été accueilli avec une ferveur populaire sur toute l'étendue du territoire national, à Farana, à Kizidougou, à Guéguédou, à Massanta, à Zérékoré, à Yomou, à Djeké, à Lola, à Mamou, à Kindia, à Koya, c'était un raz-de-marée. Et souvenez-vous encore plus de ce jour mémorable du vendredi 16 octobre 2020 qui restera gravé dans notre imaginaire collectif. La mobilisation qu'il y a eu dans la capitale a été d'une ampleur sans précédent. Chers amis, chers militants et sympathisants, chers compatriotes, Je vais conclure en disant ceci. Plutôt que de fuir constamment ses responsabilités, plutôt que d'attribuer les violences à l'opposition que l'on accuse, comble de l'absurdité, de l'indécence, de tuer ses propres militants, plutôt que d'imputer la responsabilité des enquêtes aux familles des victimes qui sont en deuil et à qui l'on inflige une seconde peine, un second deuil, en indiquant que ce sont les familles des victimes qui s'opposent, qui font obstruction à la manifestation de la vérité parce que prétendument intimidées par l'opposition, un peu de sérieux quand même. Plutôt que de se déchaîner contre les journalistes, les activistes de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, l'État guinéen gagnerait à déployer la même énergie, et c'est tout ce que l'on attend d'elle, entre autres revendications, l'État guinéen gagnerait à déployer la même énergie au service d'enquêtes indépendantes visant à identifier et à poursuivre, à déférer devant les juridictions compétentes les auteurs et commanditaires de toutes les violations commises contre les manifestations politiques dans ce pays.